comme j'aime à l'appeler. Aide-t-on son papier rapidement. Comment va la maman? Très bien. Très bien. Très Moi, j'ai envie qu'elle se tienne debout ce matin. Et qu'elle vienne là pour son défilé de mode. Je parle de défilé de mode parce que voilà, une, deux. Et ça, c'est qu'un mannequin, ça. Mais ça, c'est mannequin de la fin. Ça, c'est mannequin de vivrier. Iriel ou Colette? Yes. Non, on dit Oa. Iriel ou Colette? Oa. Voilà. Merci, mannequin. Vas-y encore. Aïe, la démarche a changé. La démarche du mannequin. Oui, oui, ça, c'est au champ. Au champ, mais non, on va au champ. Non, vraiment, pas qu'il nous s'est bien passé. Quand je regarde le pain, au ça point. Ça s'est très bien passé. On est très content de te recevoir sur ce plateau. Merci. Et accompagné de Madame Traoré et Aminata. Bonjour. Bonjour. Merci Naomi. De nous rejoindre. On parle des activités de la FENACOM ici. Oui. Commençons tout de suite par parler de ce qui s'est passé il y a quelques jours de cela. Vous avez enfin reçu. Enfin, parce que vous avez parlé de cet événement pendant des semaines. Enfin, elles ont reçu les 1000 balances. Nous avons reçu les 1000 balances. D'abord, sur le plateau ici, je voudrais remercier le président de la République qui a entendu nos cris à travers le gouverneur, M. Bekle Mambé, qui a pensé cette transformation du secteur vivrier en Côte d'Ivoire, qu'ils ont compris qu'il fallait ça et qu'ils ont pu faire ces 1000 balances à ces femmes de Côte d'Ivoire. J'ai dit grand merci que le moment de Dieu là, qui puisse les bénir. Amen. Et avec ici, sur votre plateau, je voudrais dire merci à tous les cadres et toutes les filles de Bokebo. La manière qu'ils m'ont reçu, je ne sais pas à quelle hauteur je peux mettre. Mm-hmm. Honorable, le député de Diabo et il est député de deux départements. Et le petit frère Assaoré, mm-hmm. Assaoré Jacques. Mm-hmm. Non, je ne sais pas. Vraiment, merci. Merci toute la population de Bokebo. Naomi, oui. Si tu étais là, ma fille, je ne sais pas où tu allais te mettre. Vous avez été vraiment honoré, en fait. Honoré, plus que le mot honoré. Et vous êtes très ému sur le plateau aujourd'hui. Hein? Président très ému parce que je suis très contente pour ce qu'ils m'ont fait. On leur dit merci, mais oui. Il est important de revenir sur la distribution. Sur la distribution de nos 1000 balances. De nos 1000 balances. Quand vous les avez reçues, vous mm-hmm. avez fait quoi exactement? Nous avons reçu les 1000 balances et il y avait les 31 régions qui étaient présentes. Il y avait les 13 communes qui couvrent le district d'Abidjan et tout le monde était là. Et il y avait même des marchés qui étaient avec nous, qui sont venus parce que cette transformation-là, ce n'est pas seulement les membres de FENACOM ici qui vont faire, c'est toute la population, toutes les femmes qui travaillent dans le domaine, les hommes qui travaillent dans le domaine, c'est notre affaire à nous tous. Ils étaient tous là et le partage de ces balances se sont passés sans même un petit cri. Oui, oui, il y avait 400 femmes qui étaient présentes avec les hommes, mais le partage a été vraiment simple. Et comme elles étaient tous contentes de recevoir leur balance, donc ça fait que tout le monde était content. Très bien. Tout le monde était content. Madame Traoré Aminata, vous faites partie de la FENACOM ici. Dites-nous, vous recevez ces 1000 balances là en dehors de la joie. On se dit on a fini de travailler ou bien on se bat encore davantage pour obtenir la confiance de nos administrés. Merci Naomi. Le combat continue parce qu'on en a besoin encore. 1000 balances, vraiment, c'était une joie pour nous. Les gens ont reçu, mais plus les gens ont reçu, beaucoup de personnes viennent. Plus ce n'est pas la FENACOM ici seulement. On n'a pas besoin de faire partie de la FENACOM ici pour non, en bénéficier. Non, parce qu'on veut que tout le monde soit au culot avec nous. Donc,
C'est pas limité. Et vous qui vous occupez par exemple du recensement sur le terrain, comment ça se passe? Vous êtes encore à combien de nombre de personnes insatisfaites? Il y en a. Il y en a tellement. Parce que même, bon, on a dit les 31 régions, mais il y a d'autres personnes qui viennent qui ne sont pas des FENACOVSI, qui sont dans les régions qui n'étaient pas avec FENACOVSI, qui viennent encore, qui en ont besoin. Au niveau d'Abidjan même, il y a 13 communes, mais ce n'est pas 13 marchés seulement. C'est ça. Voilà. Mais il y a eu plus de 50 marchés. Il y a des petits marchés qui sont là. Bon, tout le monde. Il y a des femmes qui vendent sur table aussi devant les portes. Elles sont toutes venues. Et tout le monde a besoin de balance pour qu'on arrive au panier de la ménagère. Et c'est pour cela que Iriel Oukolette, présidente de la FENACOVSI, insiste pour qu'on redonne les tarifs, donc des prix en détail sur nos marchés. Si c'est plus que ces prix que nous vous donnons là, il faut vous plaindre ou, comme on dit chez nous, il faut boycotter, il faut pas en acheter. Il faut chercher une femme qui a la balance. Bon, pour les produits, on va essayer d'y aller rapidement. Le gombo, c'est les prix en détail que je donne, hein, et c'est le kilo. Gombo, 250 francs le kilo. Piment, 300 francs. Aubergine, 250. Aubergine violette, 175. Gnagnan, 525 francs. Pour la graine, 225 francs le kilo, le chou est à 200 francs, le manioc est à 180 francs, la banane est à 200 francs, le placali, ah même le placali est passé au kilo. Oui, oui, le placali est passé au kilo. À 175 francs, la tomate saut de fel, c'est quoi cette tomate saut de fel? Comment on fait pour la salade? Ah, c'est comme on dit chez nous, la tomate dure. La tomate dure. D'accord. Tomate saut de fel à 300 francs le kilo, ça a baissé ces temps-ci. C'était un temps à 400 francs. Ça a baissé maintenant. On est à 300 francs le kilo. Dans deux semaines. Ça, ce sont les prix qui se pratiquent maintenant ou dans deux semaines? Ça va se pratiquer dans deux semaines. Dans deux semaines. Parce que les récoltes vont commencer. Ah, donc autant pour moi, mes téléspectateurs, c'est les tarifs que nous aurons dans deux semaines. Donc la tomate saut de fel à 300 francs. Le kilo tomate africaine, c'est pour faire la sauce qu'on écrase. Pour faire la sauce. À 175 francs, le poivron à 250 francs, la carotte à 300 francs le kilo, l'oignon à 200 francs le kilo. Le sac d'oignon, il nous fait combien de kilos? 25 kilos. Et ça nous fait combien le sac? Elle est en train de calculer. Normalement, quand je vais au marché... 5 000 francs à 200 francs le kilo. Oui. Oui, c'est 5 000. Vous êtes sûr? Aujourd'hui, au marché, on n'a pas le sac de d'oignons à 5 000. Ça, ça vient dans les jours à venir. C'est donc, il faut qu'on prenne Niger, notre mal en patience. C'est la production locale. C'est Niger, l'oignon rouge. D'accord, on va attendre dans deux semaines pour aller faire le marché. Moi, j'ai gardé cette feuille-là. Non, j'attends dans deux semaines. Nous avons des gens qui ont déjà commencé à pratiquer. Un partout. Très bien. Igname ponant, 200 francs le kilo. Igname bete bete. 200 francs aussi le kilo. Igname Asawa, Igname Florido, Igname Glenglé. Non, Clenglé. Clenglé. Le Clenglé, celui qui a beaucoup de boutons sur la peau. Là. Bon, toutes les catégories d'igname. Voilà, toutes les catégories. C'est 200 francs le kilo. C'est 200 francs le kilo. Très bien. Est-ce qu'on a d'autres produits qui vont s'ajouter à la liste? On a l'autre produit qui vont s'ajouter à la liste, tel que le poisson fumé, le poisson frais, escargot. Au fur et à mesure, la liste va s'allonger même pour l'instant. Mais nous voulons dire à la population, tous ces luttes-là, nous ne les faisons pas pour nous. On fait pour la population. Et si le gouvernement de Côte d'Ivoire, à travers le gouverneur, qui ont pu prendre au moins 1000 balances pour nous donner, c'est pour dire que ce que nous faisons, ça va tout droit au cœur de nos autorités. Donc, ils n'ont qu'à comprendre que la transformation de l'esprit, ça se passe vis-à-vis, ce n'est pas en cachette. Quand tu viens au marché, il faut demander, je veux au kilo. Il faut que la population dise que je veux au kilo. Et les femmes, toutes les femmes qui ont eu les 1000 balances, avec les 300 balances, au passage, je suis aussi, nous disons merci à nos partenaires qui nous ont offert aussi 300 balances qu'on a partagées. Et tous ces balances doivent être sur le marché et chacune doit déposer. Elle va commencer à vendre au kilo. En dehors de ça, on a une autre bonne nouvelle. Vous nous avez apporté un numéro de téléphone qu'il faut désormais composer si on est grossiste et si on a besoin de produits. Comment ça se passe exactement? D'abord, nous avons envoyé ce numéro pour dire que tous ceux qui font la production, les producteurs, ce numéro, chacun n'a qu'à prendre ce numéro pour pouvoir nous appeler. Parce que
Ça, c'est avec eux. Tu as ta production, tu appelles à ce numéro pour dire que j'ai ma production. Je veux le vendre. Si vous pouvez venir chercher. On prend un exemple concret. Oui. Naomi produit de la tomate. Un champ de tomates. Donc, j'ai environ 5 kilos, non pas 5 kilos, 5 tonnes. Tu as 5 tonnes, tu as 2 tonnes, tu as 3 tonnes, tu as 1 tonne, tu as 500 kilos. À partir de 500 kilos, à 1 tonne, à 2 tonnes, à 3 tonnes. À partir de 500 kilos, je peux vous appeler pour vous dire, j'ai de la tomate, venez chercher. Si j'ai des problèmes, par exemple, pour le transport. Pour le transport. Vous venez chercher la tomate. On vient chercher. Et vous achetez ça avec moi. On achète avec toi, Borchien. Et nous venons avec ça pour faire la distribution dans les marchés. Et quand tu nous appelles, en nous déplaçant, on va avec déjà un bascule de 100 kilos, on te donne. Ah bon? Oui, on te donne. Une bascule de 100 kilos, on te donne. Et ça reste avec toi, à tout récolte. Prochainement, si on revient, la bascule est déjà là pour éviter qu'on fasse un faux calcul. Voilà. Et ce numéro, c'est le 03 37 78 40, je reprends, 03 37 78 40. Et si jamais j'ai besoin d'un produit aussi, je peux vous appeler. Grossiste, une femme dit, bon, moi, je veux en gros, je vais acheter en gros pour revendre. Tu nous appelles au même numéro. 03 37 78 40. Et pour terminer, Madame Traoré, Aminata, il faut donner votre numéro de téléphone pour les femmes qui continuent de se ressourcer pour nos balances. C'est le 01 72 22 49. On va le reprendre. Ou le 66 31 28 36. En tout cas, nous, on veut vous dire merci beaucoup pour tout ce que vous faites pour les populations. Grâce à vous, on mange bien. Et sur nos marchés, on a tous les produits dont on a besoin pour la famille. Merci beaucoup, mesdames. On était avec les femmes de la Fenacovici. On voudrait, avant de terminer cette émission, embrasser fortement Madame Mam Marie Dubois, qui a célébré son anniversaire hier du côté de Brofodoumé. J'espère que je prononce bien. C'est sur la route d'où, là, à Saint-Et de la part d'Assane Diaye. À l'épée, sur la route à l'épée. Joyeux anniversaire et que Dieu vous accorde encore plusieurs autres années. Je voudrais embrasser fortement M. Éloi Sissou qui nous a habillés hier et aujourd'hui. Sans oublier Mme Etchoué Tina Coiffure à Yopougon pour la coiffure. En tout cas, merci, merci à vous. Merci à vous, fidèles téléspectateurs. Merci à toutes les équipes techniques qui ont travaillé pour la production de cette émission. Par la grâce de Dieu, on va se retrouver demain en espérant qu'on se portera mieux. Au revoir.